Bienvenue pour la seconde partie de l'Europe dans tous ses états à Ban Jelačić, la place principale de Zagreb. C'est dans la capitale croate qu'a choisi de vivre et de travailler notre prochaine invitée. Il s'agit de Carla, une jeune maman, juriste, très engagée en politique auprès des conservateurs. D'ailleurs, avant de la rencontrer, je vous propose tout de suite d'en savoir un peu plus sur elle. Les années passent, l'amour reste. C'est le message que cette jeune maman a choisi de tatouer sur son pied. En congé maternité, elle profite du soleil pour se promener avec sa fille. Carla reprendra son travail d'avocate en septembre, mais déjà, elle doit penser à trouver un mode de garde. Les crèches publiques sont ouvertes jusqu'à 17h et je travaille par exemple jusqu'à 19h, donc c'est très difficile. Je dois trouver une nounou et ça coûte cher. Des difficultés qui n'encouragent pas les naissances en Croatie. Le taux de natalité ne s'élève qu'à 1,5 enfants par femme. Mais pour Carla, les valeurs familiales passent avant tout. Direction le siège du HDZ, le parti conservateur pour lequel la jeune femme milite. Sa mission du jour, fouiller les archives à la recherche de photos pour la nouvelle brochure. L'occasion pour Carla de défendre son parti contre ceux qui le taxent de populiste. Peut-être les personnes de la gauche disent ça parce que notre parti met l'accent d'un patriotisme à défendre toutes les valeurs traditionnelles, etc. À quelques mois des élections législatives, le parti d'opposition part favori dans les sondages. Pour la campagne, les jeunes HDZ préparent un tract sur l'histoire de la formation politique, fondée il y a 25 ans par des nationalistes croates. Cette photo est écartée d'office. Après plusieurs scandales de corruption qui l'ont poussé à démissionner en 2009, l'ancien Premier ministre Ivo Sanader n'est plus une bonne vitrine pour le parti. En tant que jeune militant, on était très choqués, très déçus avec toutes ces affaires de corruption d'Ivo Sanader. Mais aujourd'hui, on est optimiste et on espère que l'histoire ne se répète pas. Et c'est bel et bien vers l'avenir que se tourne Carla. Parler l'anglais, le français, l'italien et le croate ne lui suffisaient plus. Alors toutes les semaines, elle se rend dans cet institut pour y apprendre la langue de Goethe. J'ai réalisé l'importance d'allemand pour l'Union européenne. C'est la langue la plus parlée dans l'Union européenne et c'est très important pour le travail. Une future carrière qui compte beaucoup pour cette ambitieuse. Il se pourrait que ce passage devant la caméra ne soit pas le dernier pour la jolie Carla. Bonjour Carla, la fameuse Carla, une fille trépidante à Zagreb. Tu nous as d'ailleurs amené au cœur de la capitale, sur une place, Maréchal Tito, que tu aimes beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps dans ma vie ici, avec le Théâtre National Croate. J'aime beaucoup le théâtre, je viens ici souvent, très souvent. La faculté de droit, mon école, j'ai étudié ici pendant 5 années, donc très très belle mémoire ici. Il y a le bâtiment de l'Académie Musique. C'est un bâtiment très controversé parce que c'est moderne, mais quand même, je pense, très belle aussi. Il y a quand même quelque chose que tu n'aimes pas du tout dans cette place, il faut dire, c'est le nom quand même. Maréchal Tito, ça ne te va pas, ça? En dépit de quelque chose de positif qu'il a fait, bien sûr, il était au pouvoir 30 années, il était un chef autoritaire, un dictateur. On vivait dans un système politique très répressif. Fin du régime communiste en 91, entrée dans l'Union européenne. Il y a 2 ans, beaucoup de choses ont changé. On est devant cette faculté de droit qui rappelle qu'il y a eu une mise à niveau de cet état de droit qui était quand même déficitaire. C'est beaucoup plus efficace que dans l'histoire, particulièrement que dans le communisme, et plutôt grâce à l'entrée à l'Union européenne, parce que Croatie, comme vous savez, a entré dans l'UE toute seule, pas en groupe. Et l'UE a décidé d'élever beaucoup les standards. Il y a quand même un problème de corruption dans ce pays. Oui, c'est vrai. On avait beaucoup d'affaires de corruption en Croatie. On avait le Premier ministre qui était condamné, aussi le maire de Zagreb qui est poursuivi. Donc le système judiciaire n'est pas été statique. Un jeune sur deux qui se retrouve sans emploi, quel est le problème exactement ?
Oui, c'est vraiment un problème très, très grave. La corruption est toujours en question, mais plutôt aujourd'hui, je dirais qu'il faut adresser le népotisme, parce que pour trouver un emploi, il faut très souvent avoir des réseaux, etc. Donc, c'est plutôt un problème aujourd'hui. Ce chômage massif des jeunes pose un certain nombre de défis à la Croatie, notamment l'exil de ces professions médicales. Ils sont 700 médecins à avoir rempli une demande pour s'expatrier, partir travailler à l'étranger, où l'herbe est plus verte, où l'on est mieux payé. On regarde pourquoi avec ce reportage signé Alix Le Bourdon. Toujours plus de scanners et de radios à faire passer par jour. À l'hôpital de Sisak, le docteur Gorup est débordé. L'année dernière, il a même fait ses valises pour l'Angleterre. Ma famille est restée en Croatie pendant ces 7 mois. C'est difficile de vivre séparés. Ce n'est pas normal que ce soit devenu la norme de quitter son pays pour trouver de meilleures conditions de travail. Là-bas, ce radiologue touche 4 fois plus qu'en Croatie. Conséquence, il prévoit de repartir à la rentrée. Un départ qui viendra s'ajouter à la longue liste de manques dans cet hôpital. Depuis l'entrée du pays dans l'Union européenne, le directeur est en recherche constante de personnel, mais certains postes sont impossibles à pourvoir. Il nous manque en tout 20 spécialistes. Ces 2 dernières années, 5 médecins de cet hôpital sont partis travailler à l'étranger. En Norvège, en Allemagne, en Suède, en Grande-Bretagne. Et c'est une énorme perte pour nous. Travailler à l'étranger, le docteur Schmidt s'y est toujours refusé. Mais ces derniers temps, elle n'est pas tranquille. Son carnet de rendez-vous est plein à craquer. Dans un pays où la population vieillit, les patients ont besoin de consulter toutes sortes de spécialistes. Cardiologues et anesthésistes sont justement les plus nombreux à partir. Nous sommes en train de perdre beaucoup de personnel médical. Et cet écart, on ne va pas pouvoir le combler avant 10 ou 15 ans. Du moins, si on continue à faire tous nos valises. Depuis l'adhésion de la Croatie, près de 200 médecins seraient partis travailler à l'étranger. Pour lutter contre l'exode, le ministère de la Santé a mis en place une série de mesures incitatives. Impossible cependant d'augmenter directement les salaires. Puisque notre État fait face à un déficit budgétaire, nous cherchons d'autres moyens comme des récompenses au mérite. Cette année, par exemple, nous avons récompensé financièrement 10 médecins, ceux qui avaient le plus travaillé, qui avaient apporté le plus à leur hôpital. Des mesures encore trop faibles pour le docteur Baric. Comme souvent, sa dernière nuit de garde s'est éternisée. Mais ce qui la fatigue le plus, c'est le manque d'investissement dans le système de santé. Au bout du compte, un mauvais calcul selon elle. Le gouvernement a payé pour les études de ces spécialistes qui s'en vont. Si vous regardez l'argent qui a été investi pour un médecin, entre le début de l'université et la fin, ça fait 4 millions de kunas. Soit plus de 500 000 euros par médecin. D'autres États membres ont déjà fait face au phénomène. En entrant dans l'Union européenne en 2004, la Pologne avait perdu 15% de ses médecins. L'exposition Rodin est le premier grand projet de ce festival, rendez-vous entre la Croatie et la France. En 5 mois, il va y avoir 150 projets. Carla, ça faisait des semaines que vous vouliez en fait venir ici, dans le pavillon des arts de Zagreb, pour voir cette exposition Rodin, mais vous avez un emploi du temps très chargé ces derniers temps. Cependant, vous êtes non seulement francophone, mais francophile.
C'est vraiment génial d'avoir Rodin ici à Zagreb. C'est comme avoir un petit pièce du Paris ici. On a les œuvres majeures, pour exemple le baiser. Là, on a aussi le penseur. Il y a, je pense, 60 pièces ici à Zagreb. Toi, en tant que jeune, finalement, tu as l'impression qu'à Zagreb, il y a maintenant une vie culturelle intense. On faisait partie de Yougoslavie. C'était une fédération communiste. Et Zagreb était un peu isolé, une province culturelle, on peut dire. Mais aujourd'hui, on a récupéré notre vie culturelle. Je dirais aussi que Zagreb est une ville cosmopolite. Il y a beaucoup de jeunes de l'Europe, particulièrement avec cet Erasmus, le change des étudiants. On peut voir beaucoup, beaucoup de jeunes ici de toute l'Europe. Donc ça devient chaque jour plus intéressant à Zagreb. Car là, on a vu dans notre précédent reportage que les médecins, les infirmières étaient vraiment tentés par l'exode, par le départ à l'étranger pour avoir des meilleures conditions de travail. Toi-même, tu as appris le français, l'anglais. Est-ce que tu te projettes à l'étranger ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est vraiment dommage. On a cette fuite des cerveaux de Croatie. C'est très grave. Ce n'est pas bon pour Croatie, bien sûr. J'aime beaucoup les langues étrangères, mais je ne voudrais pas m'installer à l'étranger. Plutôt, je voudrais rester ici, avoir ma famille ici, parce que je pense que la Croatie est un lieu avec une bonne qualité de la vie. Peut-être je voudrais bien d'aller au étranger pour étudier un peu, travailler un peu aussi, mais à la fin aussi de retourner en Croatie. C'est tout de même un peu un problème, ce pays qui se vide de sa jeunesse. Oui, c'est un problème, spécialement si les jeunes qui sont éduqués fuient de Croatie. Aussi, le taux de naissance, c'est très bas en Croatie. Je pense 1,5, donc ce n'est pas assez pour se renouveler. Je pense que l'État doit encourager les jeunes femmes d'avoir les filles, les enfants. Carla, c'est le moment de vérité. Tu vas rencontrer un député européen vert, Davor Skrlec. Alors, qu'est-ce que tu avais vraiment envie de lui demander ? Je voudrais savoir s'il a des solutions pour ma génération, pour éviter que ce soit une génération perdue. Alors, tu vas lui poser la question, bien sûr, et en anglais, parce que vous maîtrisez tous les deux très bien la langue de Shakespeare. Puis on se retrouve après. À tout de suite. Bonjour. Bonjour. Davor, enchanté. Nous sommes ici dans le très beau parc de Zrinjevac à Zagreb. J'ai choisi ce lieu car la Cour suprême et la Cour de justice municipale se trouvent juste ici. Et comme vous le savez, je suis une jeune avocate. Mais aussi parce que ce parc est très vert. J'ai donc pensé que ça vous plairait. Je ne me suis pas trompée. Yes. Oui, en effet, c'est vraiment agréable de venir ici le week-end ou le dimanche. Le dimanche matin, quand tous les enfants jouent dans le parc. Oui, absolument. Malheureusement, de nos jours, j'ai l'impression que les gens passent plus de temps dans les centres commerciaux que dans ces parties de la ville. Oui, en effet. Je suis jeune et l'on ne peut ignorer le fait qu'en Croatie, un jeune sur deux est sans emploi. Qu'est-ce qui est le plus important ? Donner un emploi à tous les Croates ou préserver l'environnement ? Il y a un problème évident en ce qui concerne notre système d'éducation. Il y a plus de 2 millions de postes vacants. Donc que se passe-t-il ? Il y a 5 millions de jeunes cherchant un emploi et 2 millions d'emplois à pourvoir. Mais avez-vous des solutions ? Que pouvons-nous faire ? On attend ? L'une des solutions que l'on devrait proposer aujourd'hui, c'est de passer de l'économie linéaire que l'on a eue jusqu'à maintenant à une économie circulaire, tournée vers le futur. Parce que l'économie linéaire nous pousse à consommer les ressources naturelles, tandis qu'avec une économie circulaire, on pourrait justement trouver ces emplois pour... Pour les jeunes ? Oui, pour les jeunes. Donc nous devons changer notre mode de vie, changer notre économie pour qu'elle soit plus en phase avec la nature. Donc vous proposez plutôt une solution sur le long terme ? Oui, une solution sur le long terme pour éliminer de nos vies la production de tous ces déchets. Oui, donc peut-être que la prochaine génération y gagnera, mais... Non, il ne s'agit pas
seulement de la prochaine génération. Nous devons accélérer, prendre ce train en marche très très rapidement, car nous n'avons pas tant de ressources que ça à notre disposition. Eh bien, je vous souhaite bonne chance pour ça. Oui, mais vous, la jeune génération, c'est justement sur vous que nous comptons pour faire changer les mentalités. Oui, j'espère. Comme vous le savez, aux dernières élections européennes, le taux de participation était extrêmement bas. Les jeunes n'étaient visiblement pas très intéressés. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a eu des améliorations au niveau européen sur ces questions concrètes qui vous touchent de près? Avez-vous entendu parler de la stratégie Europe 2020? Oui. Vous serez donc surprise d'apprendre que 90% de nos hommes politiques n'ont jamais entendu parler de cette stratégie 2020. Elle porte notamment sur l'augmentation du pourcentage du budget européen consacré à l'éducation, la recherche et la science. L'objectif est d'atteindre une moyenne de 3% dans l'Union européenne. L'Institut Eurostat estime que nous sommes actuellement à 2%, mais en Croatie, la moyenne est de seulement 0,5%. On est très, très loin de la moyenne. J'ai parlé récemment avec certains de mes anciens élèves. Ils m'ont dit que dans l'Union européenne, leurs collègues du même âge travaillaient dans de superbes infrastructures, avec du matériel dernier cri. Pourquoi rien ne bouge ici? On est figé dans la routine. Pourquoi n'avons-nous pas ces technologies? Parfois, ils s'exilent, juste pour avoir de meilleures conditions de travail. Eh bien, merci beaucoup pour cette conversation, Monsieur Schkerletz. Merci à vous, Carla. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Alors, petit débrief, est-ce que tu as été convaincu par notre ami député européen? Je n'ai pas obtenu toutes les réponses. Il n'était pas très précis sur les questions concernant la jeunesse en Croatie, mais quand même, beaucoup de ses idées ont été très intéressantes pour apporter les solutions à long terme. Alors, merci en tout cas, Carla, de t'être prêtée à l'exercice. Merci à vous de nous avoir suivis en Croatie. On se retrouve le mois prochain pour un autre Europe dans tous ses États, cette fois-ci en France. À très bientôt à tous. Sve što leti